Et rebonjour à toutes et à tous, nous sommes repartis Soldiers, épisode 4360. Et incroyable, il se passe quelque chose directement. On a ouvert un pan de mur. La bière de la pyramide, il est quand même monstrueux. Hein. J'ai jamais passé autant de temps dans un donjon. À part dans Zelda en fait, le donjon du le temple de l'eau. Mais alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça fait ça? Ah d'accord. Attendez, on y retournera. On va réactiver le truc. D'ailleurs, est-ce que je peux le réactiver maintenant? Oui. Et là, je fais ça. Je fais ça. Super. Pourquoi il y en a 700 maintenant? Plus les kamikazes. Oh, deux scarabées qui vont avoir des tirs timés différemment, ça va être impossible. Ouais, attention. Endormi, kamikaze, baise. Ok, bon, ça va, de toute façon, là, on est au moins, on a sauvegardé avant. Mais. Arrête de te faire avoir par ça, par contre. Ça c'est gênant. Et pourquoi tu utilises une attaque chargée dès le début? Ça n'a pas de sens. Pourquoi tu utilises le double saut mais pas trop? Alors ça par contre, wall jump into double saut, je trouve que c'est mal branlé. J'ai l'impression que les sensations sont pas là. Non, c'est le double saut qui prend la priorité sur le 2. Sur le wall jump. Oui, bonjour Jacqueline. J'avais plus la parade ou c'est parce que ce jeu il est nul? Parce que c'est arrivé sur mon crâne et mon crâne n'était pas protégé par mes mains. J'ai failli réagir, hein, je vous le jure. Oh allez s'il te plaît par pitié, arrête de te jeter dans la gueule du loup alors que c'est des mandibules d'insectes.
Ça surprend pas du tout. Les kamikazes de tes morts! Tiens, vous allez bien? Les kamikazes se one-shot, mais quel enfer! Surtout en tant qu'archer qui a du coup un cooldown. Hein. Donc, du coup, chaque flèche compte. Et t'as peut-être pas envie de l'utiliser contre un petit clodo de ses morts. Alors que t'as 40 personnes qui t'attaquent en même temps. Mais d'où? D'où tu t'es pas fait toucher en tombant? Ah mais je lui redonne la vie parce que j'ai pas mis sable. Oui. Quoi je coûte? Ta gueule, concentre-toi. Alors. Ok. Le problème, c'est que du coup, quand on tape trop dans son bouclier, et vu que là maintenant c'est ultra rapide, bah, il s'énerve et il te met un coup. Donc du coup, pas le temps de réagir, bim boum boum badaboum. Ouais. J'avais pas envie d'utiliser mes potions parce que j'avais tellement mal joué au début que c'est faisable sans. Hein. Tenir le plus longtemps possible. Alors oui et non. Je pense pas. Je pense que c'est surtout les vagues apparaissent au fur et à mesure que le niveau de sable augmente. Et une fois en haut, rien ne nous dit que c'est pas parce que ça arrive en haut que ça va stopper. Faut sûrement peut-être clean la zone. Donc je pense pas que ça soit juste une question de tenir plus longtemps. Elle surprend toujours elle. Hein. Dégueulasse mais bon, ouais. Quand même. Disais. Ça y est, plus de flèches évidemment, bah c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Bâtard. Encore un. Allez, appuie sur X. Ah, les inputs perdus dans les jeux vidéo, c'est fascinant. Fascinant. Bon, il y a la manette hein, pour prouver évidemment que j'ai appuyé sur X, mais le problème c'est que. Oui, le jeu veut, en effet, t'as fait une roulade, il y a 40 frames de t'as le droit de rien faire à part te faire enculer. Excusez-moi pour le terme, mais au bout d'un moment, il y a un plein cul. Ouais, c'est parti. Boum, 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 zoui. Par. Oui, zoui. Je suis pas là.
pas pourquoi je récupère tout. Bah en même temps, oui, c'est parce que ça disparaît. Donc je peux même pas laisser au sol en disant. C'est bon, je le garde. Harpie, hein, et j'arrive à jamais à esquiver. Ah, d'accord, le mec qui a le kamikaze, si on esquive au moment opportun, il explose dans le vide. Non, 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 ça par contre. Des dégâts gratos, ça me saoule. Bravo. Ok, c'est bien. Avec kamikaze, on tue. Carabée, 1, 2, 3. Carabée. Là. 1, 2. Oui. Allez, c'est fini là. Je l'ai vu après. Je me suis dit, c'est fini. Je regardais en haut s'il n'y avait pas quelqu'un qui tombait. On l'a jamais affronté à l'air libre, donc en fait on sait pas vraiment comment le faire. Voilà. Okay. Parce qu'à chaque coup on a eu des obstacles pour parer la boule, on a un peu paniqué. Ok, donc en feu, on a fait plus de dégâts. Sur ces scarabées. Alors le problème de plus de dégâts, c'est vrai que c'est bien. Et en même temps, les secousses font que parfois, ça rend le gameplay un peu plus pourri qu'il ne l'est déjà. Non, je déconne. Un peu plus dur, un peu plus, illisible. Ouais, on va y arriver. Bon, on a déjà perdu 99% de notre vie, c'est génial. Donc contre eux, il n'y a pas de dégâts supplémentaires. Avec le feu. Perdu déjà bien trop de dégâts. Harpie, attention. Hop, 1, 2, 3. Moins de dégâts sur la harpie par contre. Du coup, on est obligé de changer. On loupe tout. 1, 2, boum. Ah oui, évidemment. Voilà. Ouais, va faire foutre. Okay. Ouais, on va y arriver. C'est pas très dur, mais c'est juste que par moment, on se fait vraiment bien arnaquer, quoi.
trade, mais c'est pas grave, non, on devrait récupérer toute notre vie. Faire gaffe à la boule, into rayon laser, into slime de ses morts. C'est chaud, hein. Donc en fait, il y a juste contre les harpies où on est obligé, entre guillemets, de repasser en flèche normale, sinon en flèche de feu, c'est ça. Mais le problème c'est que tu me demandes beaucoup de choses hein, dans un jeu vidéo, moi. J'ai du mal à penser objet secondaire, pour bien avouer. Même si c'est là. Aveuglé, c'est quoi? C'est je sais même pas c'est laquelle, c'est cette putain de grenade de ses morts. Change. L'une, deux. J'utilise trop de magie. Inutile. Ah. Ça l'a aveuglé là. Difficile de voir la différence. Tu n'as pas des yeux. Bravo. Il m'a maudit le petit bâtard. J'aurais pas dû parler la dernière. Ah oui, je one shot plus les slimes puisque je suis devenu ultra faible. Ah mais le maudissement aussi, ça réduit mon.
ma capacité de soin, qui était déjà ridicule. Ah oui, mais je suis censé exploser ces merdes là aussi depuis le début en fait. C'est ces trucs là qui spawnent les kamikazes de ces morts. Eh bien, c'est une aventure. Alors du coup, comment je suis censé faire ça? Genre, c'est une porte de sortie, ce truc-là? Oh non. Je suppose que la logique voudrait que j'aille récupérer le point de sauvegarde. Eh bien. Oui, celle de gauche, c'est à la porte par laquelle je suis arrivé. Ah, tu veux dire celle où je suis tombé? Ah oui, je suis tombé. Ah oui, je suis tombé. Je sais plus par où je suis arrivé, mais ok. Merci. J'ai aucune mémoire. Hein. Ah, bah l'orbe bleue. Enfin. Du coup, là, on a accès à quasiment tout le temple, non? Et bah en plus j'aurais pu juste faire ça au lieu d'essayer de refaire le backdash. Bon, ok. Je trouve ça stylé que le double jump puisse se mettre dans la roulade. On peut vraiment faire des esquives de pro gamer. Une luciole, ça fait tellement longtemps. Enfin, pixule, succule. Ouais, mais attendez, est-ce que ça sent pas le piège à con? Oui, voilà. Si, t'inquiète pas, j'ai sauvegardé. Oh, je suis quasiment certain. Bon, c'est pas à mettre le doute là-dessus. On est déjà à fleur de peau, hein? C'est pas la peine de dire des bêtises, hein?
fois ça lui fait plus mal à le sable. Ah, par contre moi je suis en train de me faire bolosser gratuitement. Ah, mais le sable aussi c'est plus efficace contre les scarabées. Faut le savoir. C'est un peu comme si un mec il habitait Montpellier par exemple et il n'aimait pas le soleil. Lui du coup le scarabée il habite dans les sables, dans le désert, et il aime pas le. Un vert on a pas. Il y a encore des arbres de couleurs différentes, mais quel enfer. Avec l'orbe bleue on aurait dû déjà aller aussi visiter parce qu'on peut faire bleu jaune, on peut faire bleu machin. Lui non, par contre il est immune. Et feu. Ah feu c'est ok. Impitoyable, je suis impitoyable apparemment. Mais qu'est-ce que je fais? Le mec fait une pause café. Oh le trade. Ok. Ah oh, puis y a Jackie invocateur. Oui, peut-être. Peut-être qu'en effet, il y en a 6. L'anneau de l'arme, plus. Bon, en vrai, notre truc qui a une résistance... Là, ça me ramène juste à plus 10 de résistance au sable. Moins 40 de résistance au vent, quand même. Non, ça sert à pas grand chose. Dead Cell, non, jamais joué. Partie de ces jeux. Je l'ai en édition collector sur Switch avec la statuette. Mais jamais touché. Je me suis dit, j'ai loupé la hype, donc à quoi bon le lancer. Donc là, c'est coffre. Mais tu vois, là, il est grisé. Enfin, il a une couleur particulière. Mais bon, ça m'aide pas pour savoir que... Enfin si, je sais que du coup il est entouré d'une arme, mais c'est pas ça. C'est pas ça qui... qu'est-ce que je fais? Bah je vais là-haut, non? Parce que je vais bien, tout simplement. Bah je sais, je sais. Mais c'est comme Symphony of the Night, hein. C'est un des jeux aussi que je veux faire, mais... Il y a tellement de jeux aussi qui sortent... et tellement peu de temps que... Ça ne marche pas. Je peux pas tous les faire malheureusement. Après surtout si je m'engage sur des jeux ultra longs. Donc du coup il faudrait que les jeux ultra longs je les fasse plus quoi. Genre les JRPG j'arrête un peu quoi. Parce que... en vrai, bon, le prochain Pokémon, on va le faire. Bah, par exemple, Devil Survivor, est-ce qu'on le fait? C'est ça la question. Parce que du coup, il va sortir fin août, il me semble. Dead Cell, il est lent, oui. Bah voilà, justement, ça aide pas. Surtout que c'est un rogue, quoi. Donc du coup, contrairement à lui qui est pas rogue, donc... On sait que la fin elle est au bout de X heures de jeu. Dead Cell, je sais pas trop si on peut le quantifier. Ça va dépendre de tes runs, de tes machins. Et...
bête là. Comment deux fois, hein, une fois il m'a interrompu en plein salto. Je suis pas censé être immune, salto immune. Ça, je déballerai l'édition collector quand je changerai d'appart, d'ailleurs jamais. Je prendrai des photos et puis voilà. J'aurai la statuette. C'est un peu la statuette qui représentera tous les roguelites. Comme l'édition collector de Street of Rage que j'ai jamais déballé avec le poulet et tout ça. Un poulet anti-stress. Et Street of Rage 4. Et auquel on y a joué vite teuf avec un ami en coop, mais on n'a pas fait avec le DLC, on a quasiment rien fait sur le jeu, enfin on l'a pas retourné plusieurs fois, alors que c'est le principe d'un... d'un beat'em all, c'est que tu le refais, etc. On va s'attendre à ce qu'il meurt. Ça m'aura arrangé. C'est là, c'est qu'ils sont donnés mots pour faire l'esquive. Mais on est d'accord que la grenade aveuglante. Elle aveugle quelque chose ou jamais de la vie? Ah, bravo. Il manquait l'esquive, heureusement qu'il s'est loupé. Les flèches autoguidées qui touchent la harpie. L'enfer. Bah ça marche bien aussi ça. Ok, clé. Notre combien de clés d'ailleurs. Troisième clé, hein. On peut en ouvrir des coffres. Et des prises de cellules de prison. Par contre, là, je sais pas du tout où est-ce que je suis. Les trucs des profondeurs, je sais pas comment ils sont bindés les uns avec les autres. Là-haut, c'était quelle couleur, le bleu, je crois. Ouais, on peut aller le voir. C'est vrai que du coup, j'avais tendance à plus utiliser les autres éléments. Parce que du coup, je suis parti du fait que les Touaregs, là, ils étaient immunisés à peu près à tout. Donc du coup, je voulais plus utiliser le... Alors, sauf le sable, apparemment. Ils étaient immunisés au feu, et donc voilà, je me suis dit, bon, allez, pocket, mais en fait c'était bien de ressauper. Heureusement que Waylander était là, sinon bah, ça doit simplifier un peu, mais après bon, ça nous sauve pas non plus outre mesure. Ok, alors c'est parti. Vous avez récupéré le fruit de légende. Le jus de ce fruit ancien vous rend 100% de votre santé perdue, tout en rechargeant votre endurance et votre mana. En faisant disparaître tout effet néfaste vous affectant, le cas échéant. Ouais, bon... on va pas l'utiliser maintenant. D'ailleurs, je sais pas dans quelle situation on va l'utiliser. Le problème avec tout ce qui est surpuissant en termes de soins... Déjà, tout ce qui est soins dans les RPG, j'ai tendance à jamais utiliser.
Et alors un truc aussi puissant que la panacée là. Alors. Il y a une sauvegarde quand même, il va pouvoir se re-téléporter d'un point à un autre pour. Parce que là on a quand même pas mal de choses, des orbes débloquées. Alors là-haut, évidemment, c'est tentant d'aller chercher cette porte bleue, mais en vrai, ça ne nous servira à rien parce que ce coffre est protégé par du verre, il me semble. Et c'est un de ceux qu'on a débloqué récemment. Donc après, on peut aller directement à cette sauvegarde en espérant ne pas croiser trop de méchants. Est-ce qu'on peut aller à cette sauvegarde? Ah oui, d'accord. Donc ici, Intula, Loulou. Puis. D'accord qu'il était en bas le. Ok. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas sauvegardé. Ça fait du bien. Alors, est-ce qu'on retourne au tout début? Il y a toujours ce chemin sous la grille, c'est bizarre. C'est comme si on devait se transformer en souris ou on ne sait pas trop quoi. Donc on a toujours ces magnifiques cristaux, on a des coffres qui sont fermés un peu partout. Donc là il y a par exemple... Mais ça se trouve c'est pas accessible, encore avec une histoire d'échelle ou de je sais pas quoi. Parce que là il y a il y a un truc verrouillé et un coffre. Bon si on doit pouvoir y aller. Hein. Ah. Ouais d'avoir zéro de mémoire. Hein. Donc alors on va... Voilà, ça rame. Ah oui, on peut pas grab. Bah si, on peut grab. Non, on peut pas, apparemment. Il me semble que oui. Donc ça, into ça. Ok. Et ça, là. Et... My dad's wedding week. Jeu de merde. Jeu de merde. Ok, ah oui d'accord, on avait vraiment pas eu envie d'aller là. Mais en même temps, on peut le comprendre. Fuis petit! Tu es bien ce soldat de la grotte, pas vrai? Merci, tu es arrivé juste à temps pour rejoindre les autres. Ah, ça raconte. Mais je t'ai dit de fuir, bon ok, il a l'air chill. Okay. Bon, je savais que c'était la pire idée au monde, mais... Bon bah faut tout clean, c'est ça le problème aussi, c'est que souvent dans les Metroidvania, on peut fuir normalement, on peut dasher, foncer, et les ennemis ont une zone d'aggro très faible, ce qui fait qu'ils ne suivront pas à l'infini. C'est-à-dire qu'ici c'est vraiment, ils veulent ta peau. Hein. Donc, si, en plus ils sont très forts, ils ont des hitbox assez gigantesques, donc t'es obligé de clean en fait. Et du coup, est-ce que ça serait pas du farm qu'on est en train de faire? Est-ce qu'ils ont prévu ça dans la difficulté du jeu? Bon, après, vous allez me dire, le jeu est assez complexe déjà, donc... donc oui, alors c'était quoi le chemin? Donc, tout ça... Ensuite, du coup. Donc il y a lui à tuer. Plus le slime. Donc lui il va se téléporter. Bien sûr pas dans le bon sens. Du coup on est bloqué. Okay. Du scarabée. On se remet en sable. On fuit. On essaye de tabasser le scarabée si possible. Une, deux. Non, ok, c'est pas possible. Ok, le slime est immunisé, voire même il absorbe. L'élémentaire sable.
Ok, level up, c'est parfait. On passe en élémentaire sable, on tire un coup. Hop, hop. Bien joué. Ah, into Vitroid. Ok. Lui, je crois qu'il élimine tous les éléments. L'enfer. Ok. Puis. On retourne voir lui. Donc là. Hop, on passe derrière. Une, deux. On repasse derrière. On fuit. Hop. Ok. Bon, allez, cette fois-ci on peut libérer tranquillement Jackie. Puis, s'occuper de là. Donc là, je remets la bombe. Hop, boum. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Pourquoi une case? Ça. Donc rien, strictement rien derrière. Pas trop où est-ce qu'on emmène ça. Moi, je suis le chemin. Ah, ça casse le verre et ça... Ok, mais bon, c'était juste un shortcut. Alors, c'est pour ça. Bon, fallait voir les portes colorées de manière différente. Du genre, c'est cyan là. On va faire ça. Ah oui, bah du coup, là. Ah oui, voilà. C'est incroyable. C'est le truc qu'on a grugé. Donc, au final, il ne sert plus à rien. Ok, donc téléporteur. Into. On est d'accord que Cyan est capable de le faire. On a du bleu, du jaune. En vrai, je sais pas quel. Ah, bah, on est à côté du vert aussi. Attendez, mais vert. On l'a. En vert, justement, c'est un de ceux qu'on n'a pas. Allez. On est d'accord que ça, je suis pas capable de le faire. Ok. Révisez vos couleurs. Voilà, mais tellement de clés. En fait, les clés, elles servent principalement à libérer les prisonniers. J'aurais pas dû... Je n'aurais pas supporté de rester prisonnier plus longtemps. Je vais suivre les instructions et me rendre au point de rendez-vous. Merci l'ami, le capitaine nous cherche, nous aussi, pas vrai? Je ferais bien de rejoindre les autres. Il me regarde même pas quand il me parle. Rien à branler, Osef. J'ai dû sauver la vie quand même. Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah ça y est, je suis tout seul. Ok. Je crois que je suis con. Hein.
je crois que j'ai un problème cérébral. C'est original ça comme comme système de combat, j'aime bien. C'est bien. Je dis ça alors que je me fais éclater. Hein, mais... Alors, c'est peut-être un peu tôt, non? Ah bah, de toute façon, j'ai plus de choix. Je sais pas s'il faut le timer d'une certaine manière ou. Genre, si je fais ça. Donc là, il monte. Et après. Bah non, oui, je peux pas passer en fait. On doit le faire autrement. Jusqu'à là, c'est bon. Donc là, ça monte. Ok, ça perce parce que j'ai quoi? J'ai attendu trop longtemps. Non, je sais pas, je vois pas là. Je ne vois pas. Est-ce qu'il faut que je le rattire vers le bas? Pour avoir le temps de passer. Parce que le but du jeu, je suppose que c'est de le contourner pour ensuite le taper. Contourner son rayon laser. Donc là, je monte. Je monte et là, je lui fais un décrochage. Puis, ici, je fais ça. Ah, mais je peux descendre à travers les plateformes. Ça, c'est un truc que j'ai oublié. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai emprisonné. Je sais pas. Bonjour. Ok. Ok. Et donc ça, il faut que je le casse? Non, qu'est-ce que c'est? Je comprends rien. Bon, je peux le taper. Ça, j'ai compris que je peux le taper. Ça va tomber sur le coin de la gueule, là-bas. On voit, on a 30, aperçoit les plateformes, mais c'est pas clair. Faut bien avouer que c'est un peu dégueulasse. Alors, donc là. Ici. Là, ici. Très bien. Hop. Là, je sais pas. On voit pas. C'est génial. Faut peut-être lever la tête. On est reparti. Donc ça, ça, ça. Oh, les hitbox de ces morts. Ils m'avaient pas vraiment touché, hein. D'accord, ça par contre c'est assez regrettable ce qui vient d'arriver. Parce que ce que je devais faire, donc du coup j'ai rushé, mais en fait je sais pas si je dois tenir un certain temps, mais qu'est-ce que je fais là à part me faire défoncer le cul? Je sais pas si je dois tenir un certain temps ou si je dois faire tous les cristaux, genre il y a un nombre limité de cristaux, je dois tous les retirer dessus. Déjà le premier coup je comprends pas ce qui se passe en fait, parce que j'active plus ou moins la flèche, enfin la flèche normalement elle est pas censée traverser la plateforme de sable. Donc les deux fois où je l'ai fait, c'était pas clair ce que j'ai accompli. Moi je dirais que pour moi il faut juste survivre, non je sais pas. Parce qu'après il y a une sorte de luciole dans une cage, j'ai pas compris en fait la cage, à quel moment elle intervenait. Ah c'est son orbital que je mets en cage, c'est ça. Ça m'a touché sans me toucher, ça c'était mignon ça aussi. Ça c'est chaud en fait, parce que si tu... Ah, il faut que je l'attende en fait.
Pas besoin d'aller de foncer, non. Et là, je suis baisé. Ok, faut qu'on parle de où est le chemin. En fait. Voilà, et après. Okay. Là. Ok. Quel con. En fait, on a eu de la chance jusque-là, c'est qu'on arrivait à tirer dessus. Non, attendez, il faut que je l'ai en main parce que si on recommence 15 milliards de fois, donc ça comme ça, et après, ici je fais ça. Puis, tac tac tac. Donc en fait, le premier, il faut que je le rush. Les autres, il faut les timer différemment. Non, pourquoi tu fais ça? Ah non, pourquoi? Ça n'a pas de sens de prendre des dégâts gratos! Moi, on va utiliser la potion, mais ça mérite pas. Hein. Ça mériterait un reset. Il n'y a pas de fast reset. Donc... Là, ça, c'est un truc dans les jeux compliqués. Que j'implémente. Moi, si je faisais un jeu compliqué, j'implémenterais ça immédiatement. Un fast reset sur les boss. Parce qu'il y a des coups, tu joues vraiment comme un sac à caca sur les premières secondes. T'as déjà perdu 99% de ta vie. Ça fait envie de. De wipe l'essai. Faut que je dise ça à Tomium, je sais pas s'il est en train de développer un jeu compliqué ou pas. Il faut faire un jeu, mais. Troisième et dernier essai, non? Enfin, phase. Donc là, je fais ça. Ah d'accord, bravo Codarman. Ça devrait pas exister ce qui vient d'arriver. D'accord qu'il faut que j'attende que ça vienne à mon niveau avant de tenter de descendre la plateforme. Ce que j'essaie de faire. Bah, c'est peut-être pas clair, hein. Vous avez peut-être l'impression que je me jette à chaque coup dans son rayon laser, mais non. Oh les hitbox, mais là il me touche pas, bordel de mince!
Jackie la carotide, je le touche pas, il me touche pas non plus, il me touche. Ok. Alors moi si je faisais un jeu vidéo, je ferais des braid box quoi. Évitez de faire des sprites si vos hitbox ne correspondent pas à vos sprites aussi, hein, au bout d'un moment. Faites des carrés, hein. On le dira bien. Ah oui? D'accord. Je sais pas comment j'étais censé faire là, mais... Adieu. Non, bon, c'est normal. Du coup, je viens de gâcher mon essai. J'ai du mal là, en fait, parce que... Faut tomber sur le rebord de la corniche. Into ça. Merde, j'ai activé trop tôt, donc là faut que j'attende. Là, je suis là. Ok, j'active ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'attends que les deux viennent sur moi. Puis, hop. Là je prends l'escalier. Je fais ça. Vous avez récupéré le globe vert. Ce globe émet une lueur verte en dépit de sa forme, on dirait un genre de clé. Dynastie en péril, trophée. Sinon notre level up. Relique de maîtrise 2. Dégâts d'attaque augmentent quand vous le lancez ou alors la portée des flèches. Et pourquoi pas la portée des flèches? Le confort. Yay! De l'asgarite et. De la roquirite. De la roche qui irrite. Alors c'est drôle parce que. Enfin, je pense que c'est fait exprès. On est d'accord que depuis tout ce temps, je n'ai pas le droit de sortir de la pyramide. Sinon, on pourrait faire évidemment un aller-retour en. En villagie. Et utiliser justement toutes ces améliorations pour se booster. Mais vu qu'on est Curse of Darkness, il a dit vous allez vous faire voir, vous ne vous échapperez pas normalement. Il n'y a pas carte du monde si je fais ça. Voilà, j'ai pas le droit de bouger. Oh, ce serait un bon moment pour arrêter la VOD et en relancer peut-être encore une heure. Moi je suis saucé là. Là je suis réveillé enfin. Passe des trucs et moi ça me va très bien comme ça. Ce serait bien que j'arrive à terminer cette pyramide, mais elle a l'air infinie. Hein.
Parce que là, ça fait 40-50 minutes. Bon, on a vaincu un scorpion, c'était génial. Je crois que ça fait 50 minutes, mais je suis pas sûr. On s'est retrouvé, elle va être très courte cette VOD. Bon, c'est pas grave. Arrêtons là ici. Des bisous. Et à tout de suite pour Twitch et quand vous le voulez pour YouTube. Des bisous. Tchou tchou tchou.